Et je peux vous dire qu'il a des supporters. Voilà. La Pipoli vont tirer, ça y est, c'est fait, on voit. Je sais que tu bouges. Et puis Sirico attaque aussi, ils vont faire un 2 et 3. C'est beau, assez beau. C'est ses supporters hein, ici, puisque en montant, c'est dur pour Kirchen. Enfin, il aura fait une semaine extraordinaire. Cobo Acebo, originaire de Torrelavega, en Espagne, qui habite à Santander. Et là, je peux vous dire qu'il a tous ses supporters dans les 5 derniers kilomètres. Hein. Ça va faire du bruit. Hein. Et voilà. Oh là là, il est revenu vite. Bonjour. Ouf. Je m'arrête pas, hein. J'ai pas le temps. Ouf. J'ai pas le temps. Bon, ils avaient dit hier qu'ils gagneraient à Otakam. Bon, ben voilà, hein. Vous avez donné qui au fait comme vainqueur, je me souviens. C'est pas fait. Non, Schleck a remis un petit peu en route là. Oui. Franck Schleck, Piepoli attend son copain. Il attend Cobo Acebo, mais je suis pas sûr que Cobo Acebo il puisse encore. Schleck, c'est dur. Allez, il y a eu discussion. Cobo Acebo revient avec Piepoli. Il lui dit vas-y, ça y est, c'est fait. Allez, Piepoli, 5 km 800, ça va être dur de venir le chercher. Parce que Leonardo Piepoli, bon d'abord c'est un ancien hein, maintenant, hein. Il aura 37 ans en septembre. C'est un pur vrai grimpeur. Pas de victoire cette année encore, hein, mais bon, vainqueur d'étape sur le Giro. Il a gagné sur le Giro et sur la Vuelta l'an dernier, donc il n'y a pas de souci, hein, vainqueur sur le Tour de Catalogne. Qui revient. Piepoli, on l'avait découvert, si on regarde un petit peu plus bas, on l'avait découvert sur la semaine internationale, sur le Critérium international, une époque où il n'était pas encore à Charleville-Mézières. Quand on était justement ici dans la région de Pau. Il est pas loin Schleck, hein. Il résiste bien. Il avait gagné l'étape en 2000 à Gourette, je m'en rappelle, un matin. Un dimanche matin, parce qu'il y a toujours une étape de montagne le dimanche matin courte. Il avait éclaboussé de son talent l'étape de Gourette. Là c'est pas fait encore, hein. 5-600, là c'est dur, hein. C'est une partie qui est plus difficile. Allez Ivans, et s'il attaque, Rico il le compte. Hein. Et les Sauniers Duval. Les signés du Val, ils vont faire un sacré rapproché au classement général. Enfin bon, pour l'instant, c'est Schleck qui est peut-être en train de prendre le maillot jaune. C'est pas fait non plus. Hein. Non, parce qu'il faut quand même qu'il prenne presque 2 minutes hein, sur Cadel Evans. C'est pas fait encore. 2,09 sur le maillot jaune, mais ils ont combien de retard d'avance sur ce maillot jaune? Oui, ils ont 35 secondes, 25 secondes, 33 secondes sur le maillot jaune. Schoff, Ivans. Donc ça veut dire qu'il a quand même repris presque une trente. Hein, Nibali est revenu. Hein. Il peut être maillot jaune ce soir, Schleck. Ouais, ça va jouer à la seconde. Il peut y être. Ouais, ça va jouer à la seconde ce soir. Juste avant l'étape de repos, ils vont être en 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Intéressant. Kirchen qui, il se bat jusqu'au bout. C'est dur. Laurent Jalabert, vous êtes où? Parce que je vous ai perdu d'un seul coup. Nous sommes derrière le groupe Cadel Evans, Menchov, Sastre, hein, qui se marque fortement là, déjà depuis 2 ou 3 km. On hésite là à faire l'effort de peur de se faire attaquer. On sent que Evans a envie hein, de maintenir un rythme soutenu, mais il est toujours sur la retenue. Il regarde souvent derrière. Il incite Menchov à venir l'aider. Bien sûr, Sastre, lui, refuse de collaborer. Il a Franck Schleck devant. On comprend, mais c'est vrai que ce groupe-là est en train peut-être de s'enterrer un petit peu dans cette montée d'Otakam, par manque de force certainement. On a peur de faire l'effort de trop, celui qui va vous mettre peut-être en danger et vous découvrir et vous faire finalement contrer. Donc on assiste là à un petit marquage, entre même un gros marquage, pourquoi petit d'ailleurs, entre ses favoris du Tour de France et ses Cadel Evans, hey, qui Goubert. Assume maintenant ce rôle de leader. Stéphane Goubert revenu. Stéphane Goubert qui est toujours là. Hey, hein, super. Oui, ils font l'élastique en fait. À chaque accélération, Doenas, Nevado et Goubert sont distancés. Et puis ils reviennent et Astar Loza, lui, navigue à 50 mètres derrière ce groupe. Voilà, ces garçons montent leur rythme. Kirchen pas si loin. Regardez. C'est le groupe Cadel Evans. Kirchen, il est pas loin de vous. Ah, il revient légèrement, oui. Il monte à son rythme. Écoutez, moi je me retourne, je ne le vois pas pour l'instant. Donc il y a au moins 30 secondes entre le groupe Evans et le groupe Kirchen. Kirchen, pardon. Stéphane Goubert qui est 58e au général à 19,44. Du maillot jaune qui ne sera plus en jaune ce soir. 5 km. Qu'est-ce qu'il fait, Piepoli, là? Il est tout le temps en train de se retourner. Toutes les 2 secondes, il se retourne, il peut pas partir. À quoi il joue, là? Et je sais qu'il monte à son rythme. Ils veulent faire gagner Cobo Acebo? Non, je crois pas. 5 km. Pour l'instant, il ne perd pas beaucoup hein, sur le groupe là, avec Cadel Evans qui fait tout le travail. Nibali est revenu. Jonas Nevado est revenu. Stéphane Goubert est revenu. Il doit être rassuré sur son état physique, même s'il penche un peu à gauche. Hein, vous avez vu, l'épaule gauche un petit peu plus basse, Cadel Evans. Hein. Non, mais on voit qu'il a des pansements parce que son maillot, le blanc de son maillot sur l'épaule est jauni.
dû mettre de la teinture d'iode ou des choses comme ça, des pansements avec du... Oh là là. Eh, Valverde lâché. Très mal. Ça va lui faire 5 minutes là-haut à lui. C'est le jour 100 pour Alejandro Valverde. Il en faut pas de jour 100 dans le tour. On ne savait pas bien exactement comment il pouvait être sur 3 semaines de course. Et bien au bout de 10 jours, on est fixé. C'est dur pour lui le tour. Hein. Et voilà, regroupement en tête. Allez, ils sont 3. Les deux, comme d'habitude. Ensuite, bah, ils ont les maillots ouverts tous les deux. 1:38, il lui manque 18 secondes. Il lui manque 18 secondes. Pipouille, il a les chaussures toutes blanches. Enfin, si vous voulez les reconnaître, Pipouille, il a les chaussures toutes blanches. Oui. Et Kobo Asebo, il a un peu de noir dessus. Et puis c'est facile. Allez, Ivan qui continue. Menchoff l'a aidé un peu, pas beaucoup. Van de Velde toujours là. C'est pas mal. Il va être sur le podium, Van de Velde, normalement. Hein. On va avoir. Nibali est lâché du groupe. Encore. Du groupe Evans. Ouais, ouais. Et là, bien. Hein, parce ouais, ouais. Que ah bah ça enfin, roule. Tout à l'heure, bien déjà, elle est revenue. Oui, mais là, ça roule régulièrement. Hein, alors, ça, c'est plus embêtant. Laurent. Oui, nous sommes à un rythme là maintenant beaucoup plus soutenu, régulier. Il y a une sorte d'entente mutuelle entre Denis Menchoff et Cadel Evans qui se relaie et qui essaie d'imprimer un rythme régulier justement. Pour éviter que les hommes de tête ne s'en aillent trop loin, pour préserver... Laurent, pardon, deux secondes, parce que j'ai une image que vous ne pouvez pas voir. Il y a Cunego qui vient de remonter sur Valverde. J'ai bien cru qu'il allait le déposer là. Finalement, Valverde s'est accroché dans la roue de Cunego. Mais alors, c'est une image forte. Ça va pas rester longtemps, regardez, il a déjà un mètre. C'est une image forte, hein, parce que ce sont deux des favoris, outsiders du tour, qui sont en train de lâcher prise. Pardon Laurent, à vous, reprenez le sens de votre conversation. Aucun problème. C'est vrai que Valverde avait tout à l'heure sale tête lorsque nous avons devancé. Il était tout blanc. Et Cunego n'était pas mieux d'ailleurs. Donc si Cunego le remonte, on peut vraiment penser que Valverde va perdre énormément de temps. 2 minutes 30 déjà de retard au pied de l'ascension. L'addition va être très salée à l'arrivée. Et c'est dur pour Nibali. Hein. Nibali qui a été distancé il y a quelques instants à 5 km du sommet par le groupe dans lequel figure... Evans, dans lequel figure toujours Stéphane Le Goubert, hein, qui fait vraiment une très très belle montée ici sur Otakam. Voilà Nibali qui a tout à l'heure et qui maintenant fait ses efforts. Il est important d'arriver à bien gérer, et c'est ce que font parfaitement donc Cadel Evans et Menchoff, qui essaient de garder le contact vraiment avec la course, de ne pas sombrer derrière, de ne pas laisser prendre trop d'avantages justement à l'échapper aux 5 hommes de tête. Kepoli a discuté vite fait avec Kobo Asebo, qui a pris le relais, un bon petit relais bien sec, parce que là ils sont quand même embêtés avec Frank Schleck, et bienvenu, qui a son rythme, qui lui est peut-être en train de se forger le maillot jaune, pourquoi pas, on verra, hein, parce que là ça va jouer à pas grand chose. Ivan, bah, écoutez, pour l'instant il assume hein, son rôle de favori du tour, c'est lui qui travaille en tout cas. Menchoff l'a pas aidé beaucoup, Sastre il a pas à rouler parce que de toute façon il y a Schleck devant, donc Van de Velde est là. Stéphane Goubert, grand coup de chapeau, parce qu'on a vu Di Gregorio, mais on peut saluer Stéphane Goubert. Kirchen qui se bat comme un lion, là, comme un brave pour son maillot jaune. Bon, il va le perdre, mais bon, au moins il aura bien bagarré. Mauvais jour pour Cunego, très 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 mauvais jour pour Alejandro Valverde. On est dans les Pyrénées. Si ça va pas fort, s'il prend une grande claque, est-ce qu'il sera encore là mercredi? Oui, oh, on peut pas abandonner parce qu'on prend une claque quand même. Si? Ça va, moi quand on est... Je sais pas... On gagne comme avait fait de Lille en 69. D'ailleurs, Souji, il y a 20 ans, il avait gagné le lendemain. Bon, demain, ce sera pas possible. Mais bon, puis la semaine qui vient. Cunego est à 4,27 hein, de cela. Il prend cher. Hein. Ouais, ça fait 3 minutes sur le groupe Evans, pratiquement. Ça fera 3-4 minutes facile. Hein. Valverde, il a 5 minutes de la tête de course, donc il est à plus de 3 minutes déjà du groupe Evans. Hein. Ouais. Il va prendre cher aussi, comme on dit. Enfin, beaucoup de secondes, beaucoup de retard. Ah, le tour qui roule bien. Et Rico, là, il va les embêter dans les Alpes. Hein. Bon, heureusement, dans le contre-la-montre, enfin, heureusement pour eux, pour les favoris, dans le contre-la-montre, le samedi avant l'arrivée à Paris, il va prendre aussi cher. Donc, enfin, il faut les gérer, les sauniers du Val, hein, parce que. Ouais, là, et les CSC, alors les CSC. Mis à part le Andy Schleck qui a bien explosé, et on ne sait pas trop où il a, quel échelon il est, lui. Et les autres, les deux autres, là, ça en fait quand même deux. Hein, et... Kim Kirchen, il se bagarre. Hein. On a fait une sacrée semaine. Il perd du temps. Il perd beaucoup de temps. Il a minutes de Evans. C'est un beau numéro quand même. Hein. Oui, bien sûr. C'est un beau. On discutait d'écouter ce qu'on lui dit. Voilà le voleur du Schleck. À quel niveau est-il? Bah écoutez, avec Cunego. Oh là, Cunego l'a rattrapé déjà. Grosse défaillance. Ouais. On dit Schleck explose. C'est Valverde en blanc. Et même si Cunego se récupère.
sont quand même à 5 minutes quasiment, 4.27, 4.30 tout à l'heure. Tête de course à 3 km d'Otakam, ça va être un petit peu moins dur là, puis après ça va devenir très dur pour finir. Chèque, je pense qu'il est intéressé. Oh, si, intéressé par la victoire. Ils n'ont pas gagné les CC, hein. Ils n'ont pas gagné pour l'instant. 1.59, ça veut dire que, eh ben voilà, Chèque est maillot jaune. Il avait une 50 de toute façon sur Evans. Mais bon, attendez, parce qu'Evans, il va essayer de revenir là. Il n'a pas intérêt à prendre le maillot. Hein. Je pense que s'il pouvait laisser à Schleck perdre du temps contre la montre, s'il peut le laisser à Schleck avec 15-20 secondes, c'est pas mal. C'est suffisant, mais à mon avis, il y aura plus tout à l'heure. Et Cadel Evans qui regarde un petit peu Laurent Jalabert, il voudrait bien que quelqu'un prenne le relais, mais même Manchoff ne veut pas prendre le relais. Hein. Écoutez, non, je crois que Manchoff, oui, il collabore avec Cadel Evans, mais le sentiment ici qui domine, c'est que ces coureurs-là sont à fond. On n'a pas l'impression qu'ils puissent vraiment aller beaucoup plus vite. Ils se relaient, Manchoff et Evans, mais ils sont aussi un petit peu inquiets de se livrer un petit peu trop et de s'exposer à être attaqué par Sastre, par Van de Velde, peut-être par Rico. Voilà, alors que moi j'avais fait un top et j'ai un écart de 2 minutes 22 avec la tête de la course, un écart important. Continue de perdre du temps ce groupe-là. Cadel Evans et Manchoff, même s'ils s'entendent bien, n'ont pas l'air au mieux. C'est un groupe qui est vraiment en difficulté aujourd'hui. Hey, attention, parce que Franck Schleck est en jaune. Manchoff n'a pas du tout l'air en difficulté. Hein. Ouais. Enfin bon, lui, là, jamais, il n'a jamais assez. Ouais, lâché ou pas lâché, à fond ou pas à fond, c'est pareil. Il pourrait être à la place de Valverde, il aurait la même tête. Hein. Ouais, je pense. C'est plus strict impassible. Que lui, plus impassible, plus strict que moi. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sourire une fois, vous. Non, je réfléchis. Oui, je le vois tous les 8 jours. C'est ça. Et puis Lego qui bagarre, mais bon, 4.41 hein, sur le groupe de tête. Il a lâché Valverde, il a lâché Schleck. Allez, Manchoff vient travailler un petit peu. Oui, ça roule pas si vite que ça. Hein. Encore une fois, regardez, Goubert est encore là. Duenas Nevado. Vous pouvez l'appeler Moïse. Oui. Moïse, Duenas Nevado. Il tire la langue, Franck Schleck. Ils sont partis les deux. Oh là là, victoire hier de Ricardo Rico. D'ici qu'on a un doublé, ce n'est pas aujourd'hui. Il est à fond. Bon, Marquis a du plat pour les faire sauter. Franck Schleck va se rappeler que, bien en 2006, il a quand même gagné le tableau du Tour de France à l'Alpe d'Huez, on y va. Mais bon, là c'est compliqué. Hein. Là, les sommiers du Val, ils sont en train de compliquer les choses. Ceux-là, ils sont partis. Alors, comment ils vont régler l'affaire, tous les deux, là? Main dans la main. Tripoli, bon, c'est l'ancien de l'équipe, c'est le capitaine. Ah, il s'en va, j'ai l'impression. Ouais, non, mais là, je crois qu'il est loin. Hein. Ouais, poussez-vous. Ils sont tous là, hein, ces supporters. Voilà, c'est là qu'ils sont. Kobo-Acebo, ils sont tous là. Mais bon, alors comment il règle l'affaire hein. Bon, Kobo-Acebo, il n'a pas un gros palmarès. Donc, c'est sûr qu'il gagne une étape du tour. Pour lui, ce serait formidable. Ah, bon, là, c'est la mainmise des sommiers du Val sur le tour, hein, c'est clair. Après, dans les contre-la-montre, ils sont pas là, donc bon. Ouais, c'est pas très grave pour le classement général. Hein. Schleck, il ne faut pas qu'il coince complètement, il faut qu'il se batte jusqu'au bout, il n'y a que 2 km de montée. Oh, quelle montée, que de monde, Schleck là qui est obligé de... Il faut qu'il supporte les Espagnols, il faut qu'en plus il supporte les drapeaux basques. Ouais, là, le rythme est un peu plus élevé car c'est un tout petit peu moins dur, mais les deux derniers kilomètres vont être de nouveau difficiles. Allez, Piepoli on rajoute un petit peu, Kobo Acebo dans sa roue. Là, ils vont quand même faire un gros écart, hein. Alors maintenant, la Terra va être très vigilant sur les écarts, hein, parce que Schleck n'est pas maillot jaune du tour encore. Il n'est pas loin pour l'instant. Et Kobo Acebo, mine de rien, a quand même fait toute sa carrière chez Sonier Duval. Bon, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné 2 étapes au Pays Basque, le Tour du Pays Basque en 2007. Et puis il avait gagné un contre-la-montre court en côte, c'était en 2003 sur le Tour de Navarre. Voilà, 3 victoires, 2 étapes au tour. Bon. On l'appelle le bison. Et tout ça était prémédité. Kirchen Soban, il perd son maillot jaune. C'était prémédité, hein, la Sonier Duval. Kunego qui s'est bien récupéré, mais qui est loin quand même, à 5 minutes maintenant. Hey. Oui. Non. Ah bon. Non, mais j'essaye de faire un petit truc, j'espère qu'on va y arriver. Tripoli, Kobo Acebo, le bison. Il est costaud, hein. C'est pas. Hein, il est bien large, Kobo Acebo. Hein.
Cadel Evans, Cadel Evans dans les motos, avec Menchov dans sa roue. Sastre, Ricoult a fait bouger. Ah, Goubert qui se lâche maintenant. Ah, mais c'est bien. Ah, 1,5 km, c'est pas mal. Il n'y en a pas tant que ça devant lui, il y en a 3. Il va être premier français du 4, tour ce 5, soir. 7, 8, 9, il est 10e. Le premier français du tour ce soir. Et là, ça accélère un petit peu dans le groupe Evans. Sonier Duval, Evans qui accélère. Sonier Duval, on avait préparé ça. Écoutez Rico ce matin vite fait. Je suis content de l'étape d'hier. Aujourd'hui, je vais essayer de gagner avec Piepoli. On va bien voir. Oui, j'ai fait une grande étape. Une belle action. Et je suis très content de cette victoire. Vous avez envie de recommencer? Aujourd'hui, on va voir. Allez, on va voir. Et on voit, c'est clair. Il avait, de toute façon, depuis hier, il disait je vais faire gagner Piepoli, qui devait connaître Otakam. Ils ont dû certainement, à coup sûr, venir repérer cette étape. Piepoli avait dû se dire bah, voilà quelque chose qui me convient assez bien. Allez, 1 km du but, 1 km de l'arrivée et d'un doublé pour l'équipe Sonier Duval. Ce qu'ont déjà réalisé l'équipe Colombia avec Marc Cavendish ou Gérald Schelec sur les sprints. Voilà un qui est peut-être en train de transformer son dossard jaune en maillot jaune. C'est pas fait hein, parce que Cadel Evans derrière est au même rythme. Oui, ils ont même accéléré, j'ai l'impression. Il y a peu de temps entre ces deux-là, entre Cadel Evans et Frank Schleck. Les CSC ont échoué dans la victoire d'étape, mais bon, peut-être réussir dans le... Il a perdu 21 secondes. Menchov en train de reprendre, de prendre un bon relais, là, Laurent Jalabert. Oui, Menchov et Evans qui s'entendent bien et qui continuent de collaborer ensemble. Evans qui a même accéléré l'allure lorsque la pente était un petit peu plus raide, un peu plus de 2 km de l'arrivée, avant qu'il entre dans une zone qui était barriérée. Voilà, au milieu de la foule, il s'est frayé un passage et accéléré, ce qui a malheureusement été fatal pour Stéphane Goubert, mais qui s'accroche Stéphane. Evans et Menchov continuent de résister, continuent de s'unir tous les deux pour essayer de limiter les dégâts dans cette ascension, mais qu'ils auront souffert aujourd'hui. Ça n'a pas été facile malgré les apparences. Je crois que là, on est vraiment à la limite, à la rupture. On fait ce qu'on peut. J'ai vraiment le sentiment que s'ils avaient pu, ils ne se seraient pas contentés de rester ensemble. Ils auraient essayé de se distancer, mais visiblement, là, les forces manquent chez Cadel Evans, Menchov, Van de Velde. Peut-être il n'y a que Rico qui a vraiment les moyens d'attaquer. On le voit constamment. Regardez derrière, il a l'air assez facile, mais pour l'instant, il reste dans les roues, ne fait pas d'effort. En tout cas, ça va se jouer à la seconde. Hein. Tout à l'heure, il y avait 1,50 d'avance pour Schleck sur Cadel Evans. Après, il y a eu 1,51 et maintenant, il n'y a plus qu'une 49. Ça va se jouer à la seconde, le maillot. Un maillot jaune là, à la seconde, mais la certitude, c'est qu'un maillot jaune et blanc va gagner l'étape oui. d'Otakam après la victoire Kobo de Rico beau, hein. hier à Bagnères-de-Bigorre. Victoire de Piepoli ou de Kobo Asebo. Oh, Asebo, allez, Piepoli. Il l'attend. S'il l'attend, c'est pour laisser gagner. Ouais, je pense aussi. À moins qu'il refuse, d'autres, mais c'est il a mis les chaussettes hautes, Kobo Asebo. Bon, maintenant, Piepoli n'a jamais gagné sur le Tour de France. Il a gagné sur le Tour d'Italie. Il a 37 ans, Il s'en moque peut-être un peu. C'est peut-être sa dernière année. Oh. Ou alors, est-ce qu'ils essayent de finir main dans la main les Monino. À la main. Allez, on va voir ça. Allez, on va voir la réponse dans quelques mètres. Ce sont des vrais grimpeurs. Et aujourd'hui, ils ont profité du gros travail de la CSC. Il y a des grands battus. Bref, on va tout savoir. Allez, Piepoli ou Kobo Asebo. Piepoli est plus fort que Kobo Asebo à la pédale, c'est clair. Indiscutablement, mais bon, alors après. Ce sera Piepoli. Ouais, il y a tellement de choses. Là, il va gagner sur le Tour d'Italie, il va gagner sur le Tour d'Espagne, et maintenant il vient de gagner sur le Tour de France. Et on a déclenché les chronos. Ils ont voulu finir ensemble. Allez, là, lui, alors lui, il se bat. Hein. Ouais, Schleck qui s'arrache. Schleck qui s'arrache. Il s'est rapproché dans les derniers mètres. Il était tout à l'heure à 23, 24, 26 secondes. Bon, il sait, Schleck, le maillot jaune est là. Il sait que le maillot jaune est là, on va voir. Il peut l'avoir. Il a une. Il a une 50 de retard. Une 50 sur Cadel Evans. C'est pas fait. Ah oui, il a rien reconnu. Il a perdu beaucoup. Hein, non. 27, voilà, 28. Il est à 28. 27. Allez, 27. Je vous fais confiance. Allez, Bernard Kohl qui arrive maintenant à son tour, l'Autrichien. Bernard Kohl qui sera quatrième de cette étape, le grimpeur autrichien de la Gerolsteiner. Fausset compagnie à tout le monde. Allez, Bernard Kohl en quatrième position. Laurent Jalabert, un petit mot vite fait avec le groupe Cadel Evans. Le maillot jaune se joue maintenant. Oui,
Van de Velde qui attaque à nouveau, il l'a attaqué à 800 mètres, il attaque à nouveau, mais Cadel Evans a réagi du tac au tac, c'est maintenant Menchov qui s'y colle, voilà. Tout le monde est à fond dans ce groupe, on sent bien que les attaques ne sont pas très franches, ne sont pas incisives, on finit comme on peut, voilà, on est sur la réserve, ils vont arriver ensemble très probablement. Il va falloir 2 minutes 17 voire 2 minutes 18 pour que Schleck ait le maillot jaune, sinon ce sera Cadel Evans, à moins qu'il soit lâché. C'est pas fait encore, hein. 50 secondes que Franck Schleck est passé. Bernard Kohl, 4e à 1,05 de Piepoli. Et c'est Van de Velde qui emmène Cadel Evans, Menchov, Rico, Sastre. Et il s'accroche, hein, c'est Duenas Nevado. Ouais, qui saute. Encore 45 secondes. Il a plus que 45 secondes. Il est maillot jaune Schleck. Est-ce que Evans va à 350 mètres ou ça va jouer à la seconde mètres, allez, Van de Velde. Il va l'avoir ce maillot. Van de Velde qui est en train d'emmener le groupe. Ouais, ça accélère. Cadel Evans, 200 mètres. Un maillot jaune, attention. Une 20. Encore 25 secondes pour arriver. Allez, c'est Van de Velde qui va peut-être sauver le maillot, enfin qui va offrir le maillot jaune à Cadel Evans. Attaque de Rico maintenant sur la droite de la route, une 30. Et voici Efimkin qui termine. Super ce qu'a fait Vladimir Efimkin. Il est 5e à 2,05. Que des écarts. Alors regardez Van de Velde, attention, voilà, fond, encore hein. 10 secondes, 9 secondes, 7 secondes, 7 secondes, attention 5 secondes, ça va jouer, attention, attention, top, une seconde. À mon avis, c'est une seconde. Pour une seconde, Ivan, c'est maillot jaune. Pour une seconde, Ivan, c'est maillot jaune. Je pense qu'il aurait mieux fait de le laisser, ce maillot-là. Je suis pas sûr, hein, parce que qu'il n'a pas d'équipier, vous avez vu. Hein, c'est à la seconde près. Hein. Et voilà le maillot jaune perdu de Kim Kirchen. Vous avez annoncé quelque chose, hein, attention, hein, vous avez annoncé. Ah oui, non, moi, vous avez annoncé. Hein. Moi, je suis témoin, il y a Jean-Paul qui fait oui de la tête, vous avez annoncé. Et si c'est égalité, je fais comment? Débrouillez-vous. Normalement, il y a les centièmes du contre-la-montre. Hein. Bravo Di Gregorio et bravo maintenant Stéphane Goubert qui termine. Alors du coup, j'ai perdu mon classement dans l'affaire hein, parce que j'étais concentré. Alors, sur je vais vous donner chrono. Les écarts. Piepoli devant Kobo Asebo, Frank Schleck. Alors là, il est mis à 28 secondes. Cole à une